Cette soirée est importante. Merci d'être là. Ce sont vraiment des projets formidables. Ouais, ben c'est pas facile de faire un choix. Toutes les candidatures sont exceptionnelles. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement qualifiés. Il me semble que c'était plus facile dans notre temps. Mon robot. C'est vrai. Aujourd'hui, le génie, c'est de la technologie, du biomédical, de l'aérospatial, des solutions durables. Le tout dans un écosystème de plus en plus complexe qui doit tenir compte des réalités de la mondialisation. Attendez, il faut que je mette de l'argent sur mon parcomètre. Il me semble qu'il y a encore un député et que c'était nous la relève. Ben là, ça fait 100 ans que l'OQ soutient la relève. On n'est pas si vieux. Hey, reste-tu du décaféiné? Sinon, moi, je dors pas, là. Prends une bonne tisane. Ça aide à digérer. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'aujourd'hui encore, la relève se mobilise pour servir la société avec professionnalisme, conformité et intégrité. En plus de leur détermination, de leur dynamisme, de leur contribution professionnelle et sociale. La relève, c'est précieux. Ils vont créer le monde de demain, celui de nos enfants. Et de nos petits-enfants. Je vais être grand-maman. Wow, félicitations! C'est pour ça que le développement durable est si important. On doit assurer un futur aux prochaines générations. Le génie et sa relève sont des acteurs essentiels du développement durable. Bon, mes chers collègues, je pense qu'on a un gagnant. Un jeune de la relève qui saura nous inspirer à continuer d'innover et de regarder vers le futur. Bravo, la relève!